crunch. The worst of all inventions, oh brunch. You'll get a shitty pension. It's too late to be breakfast and too early to be lunch. The bane of the culinary world, brunch. The food is kind of shitty, brunch. And it is such a pity, oh brunch. The plates are always sticky. Je suis pas en musique, mais j'ai fini par cette année-là quand même faire comme vraiment beaucoup de musique. Au-delà de comme aimer jouer de la musique, j'ai toujours aimé ça comme réfléchir à des trucs, puis le côté plus cérébral des trucs. Fait que je pense que décider en musique, ça comme je voyais mon amour de la musique et ma curiosité intellectuelle. Merivec a les plus beaux locaux que j'ai vus dans toutes les cégeps et universités internationalement de musique. J'avais fait des auditions avec Christian, je m'étais bien entendu avec Christian, puis aussi j'étais vraiment fan de John Rowling, fait que je vais essayer de prendre des cours avec John. Le cours qui m'a marqué le plus, et à l'université et au cégep, je pense que ça a été mes cours d'arrangement. Je pense que c'est les cours que, à ce jour, j'utilise encore le plus comme concrètement dans mon day-to-day. Outre les cours d'instruments qui est comme d'être capable de jouer, genre focus sur un instrument, puis d'être capable de jouer vraiment bien un instrument. Après ça, peu importe ce que tu veux faire, je pense que c'est une vraiment bonne base, que maintenant c'est plus facile. D'être entouré de gens qui font juste ça, je pense que c'est une bonne motivation aussi de comme, au niveau technique en tant qu'artiste, souvent de te mettre dans un niveau que tout le monde autour de toi fait quoi, ça te force à level up. Fait que, au-delà de toute la théorie puis toute la technique que tu peux apprendre à l'école, au final, tu sais, tous les gens que tu vas à l'école avec vont finir par faire partie de ton network puis de ta carrière au courant de toutes les années. J'ai commencé comme mes études en jazz puis je me suis comme un peu converti en théâtre musical par erreur. J'ai fini par être impliqué dans comme quelque chose comme 20 ou 30% de toutes les productions de musicales qui se passaient à Montréal pour une année. J'ai créé un show qui a tourné aussi ça, à la côte est canadienne. Maintenant j'habite à New York puis je travaille surtout en théâtre musical, en composition puis direction musicale. Tu peux avoir toute la technique du monde puis toute la théorie du monde, mais au final, la raison pour laquelle tu fais ça, c'est pour t'exprimer artistiquement. Puis personne qui va dire « Ah, c'est comme ça que tu devrais exprimer ce que tu as à dire. » De ne pas avoir peur d'être authentique puis de poursuivre ta vision. Parce que quand tu vas étudier du jazz, le monde va dire de jouer d'une certaine façon. Si tu étudies de la musique contemporaine, le monde va dire de jouer d'une certaine façon. Puis au final, il n'y a personne d'autre que toi qui peut vraiment définir qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un artiste.